Bon, on fait un test micro. Test micro. Bonjour, je suis Zoli le. Possible, je suis. Hein. C'est quoi ce bon? Mais c'est la plus haute. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Sarah? Bah, tu vois pas le truc ici? La pinaise, la pinaise. La purée, oui. Comment ça? Vous m'avez encore laissé la plus haute, hein. Déjà, j'ai dû aller la chercher. Mais je vous préviens, hein. Je vais pas la reporter. Hein. Non, je veux bien accompagner. Hein. On avait compris l'idée, les gars. Et pourquoi on a mis notre petite Sarah sur la moto? Déjà, d'une part, pour montrer que, contrairement à d'autres choses, tout n'est pas toujours une question de taille. Mais à côté de cela, donc, vous le savez, Sarah roule avec toutes nos bécanes. Hein, ouais. C'est vrai. Là, son baptême du feu était fait avec une Africa Twin. Donc, on ne peut pas dire qu'on était très, très sage avec elle. Donc, Sarah... Mais attends. L'Africa Twin, elle a quand même la boîte DCT. Ça aidait. Et elle a la même hauteur que celle-là. Ouais, exactement. C'est et vrai. La boîte DCT, quand on n'a pas les pieds par terre, je suis désolée, mais je ne dois pas chercher après le sélecteur. C'est vrai. Celle-ci, il faut chercher après le sélecteur. Ah, purée, ouais. Et il faut surtout essayer de sortir la béquille, ce qui n'était pas joué d'avance. Alors, et donc, pourquoi refaire cette quatrième vidéo au sujet de cette bécane? Ben, c'est simplement, on se l'est dit toute la semaine, enfin, principalement Sarah, puisque Sarah n'a pas peur de rouler sur des grosses motos, sur des hautes motos, mais en attendant, ça peut vous mettre dans des positions difficiles. Oui. T'as prié combien de fois sur la route pour pas t'arrêter? Oh ben écoute, à un moment donné, je me suis retrouvée sur la Suzuki avec vous, et je crois qu'on s'est pas arrêté beaucoup. Hein. Non. T'as été faire ton billet de loto? Ouais. Alors, incroyable, on est quand même revenu de la Molinier jusqu'à Nivelles, on n'a pas eu un seul feu rouge. Dès que Sarah arrivait, ça passait au vert. On s'est dit, c'est pas possible, c'est un paratonnerre à feu rouge, c'est incroyable. Ça doit être le jaune de la Suzuki, ouais. Son effet. Ils se sont dit, ça les a reconnus. Et donc, mais à côté de cela, tu l'as dit aussi, tu t'es débrouillé, t'as pas eu peur, mais tu t'es un petit peu fait mal. Alors, je me suis fait un peu mal parce que déjà, ben, elle a son poids, elle a 230 kilos. Elle est très haute parce que quand je suis à côté, Alors, Sarah, on a la chance parce qu'on connaît le nombre de centimètres de jambes. 710 millimètres. 71 centimètres, donc 70 centimètres. Donc, non, voilà, 71. Voilà, quand elle est debout, bon, ben, évidemment, la selle est quand même haute. Tout est très haut et évidemment, ben, on est mal placé pour la tenir, quoi. Donc, évidemment, j'aurais préféré qu'elle soit un peu plus blasse. Donc, en fait... Un peu plus basse. Désolée. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est donc, effectivement, à chaque arrêt, bah, tu passais d'une fesse à l'autre pour... Oui. Mais en fait... Tu peux nous faire une démo de ton déhanché? Elle va être crevée et tu vas la tuer, hein. Non, donc voilà, comme ça au moins tu montres un petit peu. Donc déjà tu as montré en fait qu'il y avait une technique pour monter dessus. Ouais. Oui, et donc, ça, merci Anne Pascal. À l'hypermaniabilité, surtout Anne Pascal. Donc là tu dois replier la béquille. Et comment tu fais pour replier la béquille? Voilà, elle passe d'une fesse à l'autre. Donc là, je vais montrer le déhanché qu'elle a vraiment. Voilà. Elle a vraiment une fesse à côté et que bah, l'autre est. Ouais, voilà. Et donc c'est faisable. Mais c'est vraiment pas pratique. Alors là, je vais revenir vers toi et je vais mettre moi-même la béquille. On reste quand même des hommes et nous restons quand même très galants. C'est gentil. Mais je t'avoue que quand je dois mettre la béquille, en fait, je dois relever le pose-pied pour venir vraiment à la base de la béquille pour pouvoir la placer. Et donc, c'est pour ça que je voulais absolument faire une quatrième vidéo. Parce que, donc, n'oubliez jamais que si vous achetez une moto trop haute, définitivement, vous allez régulièrement vous mettre en difficulté, dans des situations difficiles, et ça n'a pas d'intérêt. Achetez des motos à votre taille, parce que voilà, ça ne va jamais impressionner personne si vous avez une moto, vous êtes trop petit dessus. J'ai eu la chance, et franchement, je te remercie encore Sarah, d'avoir été chercher la bécane, je ne savais pas qu'elle était aussi haute, franchement je reconnais, mais je l'ai quand même fait traverser la moitié de la Belgique par autoroute, avec des embouteillages en interfile avec cette bécane. Donc là, cette vidéo sert à deux choses. Donc, vraiment vous montrer que la taille, c'est important. Et merci Sarah d'avoir été me chercher la moto à Anvers parce que. Mais c'est pas toi qui va la rapporter. Promis. Tu peux pas te mettre debout. Ben voilà. Voilà. Debout. Ça nous montre en fait que la Suzuki, elle a une bonne position debout. Tout à fait. Et on va quand même. Si tu as encore un petit peu de punch, on va quand même faire les trois motos. Hein. Oh. Pour voir la position de Sarah qui fait 1m69. Hein? Ah non, 1m64. 1m64. Elle a perdu 5 cm. Celle-là n'est pas en vitesse, je pense. Si, je l'ai mise en vitesse aussi. Bah, au pire, tu prends le Parce frein que nous sommes un petit peu en pente. Oui, on est un peu en pente. Donc là, on voit déjà la différence. Et pourtant, là, la suspension arrière, je l'ai.
je l'ai retendue. Ouais. Ça veut dire qu'elle est, elle est deux ou trois crans et je ne l'avais pas redescendue. Mais voilà, mais bon, ça ne m'empêche pas de rouler avec. Non. Et ah. Hop. Et donc, effectivement, on va voir que c'est là où on va se rendre compte de la taille de la Tracer 7 GT. C'est que là, Sarah, elle monte sans aucun problème avec. Et donc, voilà, on reste sur une moto haute, une moto valorisante, mais s'il vous plaît, quand vous achetez une bécane à votre taille. Parce que vous allez, si vous achetez une bécane trop haute, vous allez tout le temps vous en vouloir. Donc voilà. Merci Sarah, merci Gilles, merci à Bijou qui est toujours en train de cuiner derrière nous. C'est notre Freddie Mercury à nous. Et donc les gars, merci de continuer à vous abonner, vous êtes formidables. On a plus de 500 abonnés par mois. On vient de dépasser les 14 000 abonnés sur YouTube. Et grâce à vous, on réussit même à avoir trop de motos. Donc on est obligé de dire non pour certaines bécanes, mais vous allez les retrouver par après. Donc la semaine prochaine, on aura justement l'occasion, là je t'enverrai pas la chercher, puisqu'on aura, on va avoir la Ténéré World Tour. Et on va recevoir, par contre, c'est on va recevoir le Scrambler 500 de chez Honda, tout nouveau modèle 2023 également. Et on va enfin faire rouler la Zontes GK 350 qu'on a depuis deux mois, qui est depuis deux mois dans le garage de chez Serf. On a toujours pas fini le rodage. On a toujours pas. Elle a combien de kilomètres? 300? 400? Ouais, 400. Oui, mais 400. Bon, les gars, attendez, on a tellement de motos. Et on a que, comme j'ai encore dit hier, on a que trois fesses. Non, on a six fesses. On a six fesses. Donc voilà. On a trois têtes. On a trois têtes et six fesses. Bah, avec ça, on réussit dans la vie. Ciao les amis. Bye bye. Bye. Ah Même Gilles, il commence à nous faire des...